On est respect pour nous toutes, merci pour patience et attention. Bienvenue dans l'émission qui bat monde qui pense éducation la parole là. Action éducation. Ingénieur Fred Samuel Boudot, c'est président directeur général FIM Exostic qui spécialisé dans bas service dans nouvelles technologies information et communication yo. Mais surtout spécialisé dans bas service solutions technologiques à établissement scolaire. Jodia avec lui, nous pourrons permettre tout faire connaissance avec FIM ça et surtout qu'on ait disponibilité différents services que y a bail pour capable servir modernisation, gestion l'école yo avec processus apprentissage avec enseignement. Manita, le ça va porter de toujours. Qui leur parle l'école même. L'école, ça que ta moi qui c'est ça pour moi. Marie, moi pas vraiment l'école. Marie, moi pas vraiment l'école. Mais pour qu'un droit pour l'école, pour qu'un étudiant tout de même participe à l'activité pays. Oh. Je me donne participer à l'activité pays. Ah, où est ça? Faut qu'on ait constitution demandée pour tout le monde à l'école. Vous comprenez? Marie, moi pas de droit pour qu'un bébé la caille, pour pas vraiment l'école. Faut le voyer à l'école. Mes amis, ce n'est pas bon pour nous faire des choses pour faire des choses seulement. Faut nous voir à l'école tout. L'école, c'est l'avenir de nous dans la société. L'école, dans l'aspect enseignement apprentissage, tant que dans l'aspect gestion administration, pas qu'à continuer à faire, j'en la fête là, et surtout dans un pile établissement dans le pays. Modernisation processus apprentissage là, avec modernisation administration, avec gestion de l'école là, possible et même c'est une nécessité journée aujourd'hui. Pour sa fête, il y a un pile institutions, associations et quelques initiatives privées qui mettent les outils à la disposition établissement l'école. On a parlé de outils, ça nous relève nouvelles technologies, information et communication, qui capable de permettre personnel enseignant yo, personnel éducation yo ak chef établissement yo opérer changement sa yo comme ça doit pour l'école yo. Et c'est dans ce sens ça jodia n'a présenté Exostic yon film consultation sous nouvelle technologie communication ak information mais qui est spécialisé nan pote solution technologique pour l'école. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Ingénieur Boudou, c'est avec plaisir de vous recevoir dans l'émission Action Éducation. Abdou, bonsoir et bienvenue dans l'émission. Ça. Bonsoir Oscar, comment vous? Bien. Eh bien, je vous remercie pour l'invitation. Merci pour l'opportunité qu'on a affirmé Exostic pour présenter à grand public. Et m'a salué téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui suivent nous et à partir de l'émission ça. Donc, moi, je souhaitais que c'est pour aller une très belle conversation entre nous. OK. Alors, ingénieur Boudou, en tant que jeune, vous êtes un fondateur FIM ça, FIM de consultation dans la nouvelle technologie, information et communication, Exostic. Parlez-nous de qui côté idée ça a sorti, qui gens Exostic formé et qui ça a poussé nous former un tel film. D'accord, moi merci pour la question. Alors, Exostic, comme on dit déjà, c'est une firme de consultation dans la technologie, information et communication. Donc, nous travaillons spécialement, mais spécifiquement jusqu'à présent, avec les écoles classiques, côté que nous offrions des outils technologiques pour être capable d'améliorer la qualité éducation, mais formation que les élèves ont. Alors, côté idée à sortir, en réalité, c'est une idée qui c'est toujours à traverser moi personnellement et l'autre partenaire qui est avec nous dans la firme, là, même capable de dire que détonateur là, détonateur qui fait que effectivement, nous dit bon, finalement, il faut mettre le projet ça sous pied, mais le film ça sous pied, c'était surtout le tremblement de terre de janvier 2010. Okay. Comme moi, qu'on a dit à quelques amis, en crise, comme je dis en chinois, il y a là dans toute opportunité. D'accord, toute crise, tout côté, il y a des désastres, toute difficulté, il y a une opportunité qui est capable de
Mais nous sommes capables de dire opportunité à ces problèmes qui étaient venus avec le 12 janvier 2010, surtout au niveau des établissements scolaires, côté que toute infrastructure était détruite, et surtout, en particulier, infrastructure technologique. Par exemple, l'école qui a des laboratoires informatiques, et le laboratoire s'est fait écraser, et ce n'est pas un investissement qu'on a fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un peu l'économie, c'est un peu l'année pour faire, pour constituer, acheter des matériels et puis constituer, monter un laboratoire informatique. Donc, là, nous-mêmes, nous avons effectivement déjà ça arrivé, qui s'est passé. Donc, nous avons regardé nous-mêmes qui apport que nous avons apporté à PIA et à secteur en particulier. Nous avons dit qu'on finalement, il faut monter film ça et faire regarder qui nous avons aidé l'école pour constituer rapidement et services technologiques. Donc, à part et de détonateurs, ça que nous avons, donc, information que nous avons dans le domaine, c'est les mêmes qui poussent nous effectivement à bail service en particulier. Ok. Alors, nous connaissons que c'est la raison principale qui fait que nous recevons Exostic dans l'émission Action Éducation, c'est parce que nous dédions, nous spécialisons dans bail service à l'école de façon générale, donc à directeurs, à enseignants, mais surtout pour améliorer la gestion. Est-ce que vous avez dit nous qui objectif nous viser à part de service que nous voulons offrir, mais qui objectif nous viser par rapport à situation globale, système éducatif là dans le pays d'Haïti? D'accord. Eh bien, j'aime introduire l'objectif, nous, c'est faire que gens que objectif nous t'a dit gouvernement ou bien société à déclarer, par exemple, nous dit que nous voulons une nation émergente à l'horizon de 2030. Pas qu'à gagner une nation émergente, c'est pas gagner une éducation compétitive. Et pour gagner une éducation compétitive, je vous dis, il faut gagner des outils technologiques qui accompagnent. Donc c'est effectivement ça que nous avons aimé. Nous avons aimé qu'à l'horizon de 2030, même 2020, pour que Haïti soit classé parmi les nations qui ont une éducation compétitive. Pour que si mon haïtien, par rapport à si mon qui est côté en République dominicaine, Jamaïque, Amérique du Nord et même Asie, pour qu'il soit compétitif par rapport à la nation. Ça. Donc c'est apport par nous que nous voulons porter Exostic dans l'objectif national. Ça, c'est capable de nous gagner pour nos nations compétitives, mais émergentes. À l'horizon de ces années-là. Okay. Pour me capable de résumer en gros. Okay. Alors, ingénieur Boudon, en tant que jeune, qui lecture fait de système éducatif, nous, hein? Puisque, alors, son produit, moi-même, son produit de système, ça, mais quand même, reproche en pile, il y a un constat qu'il a, son système qui échoué par rapport à l'objectif que vous avez tête, mais que le pas arrivé à atteindre. Qui lecture fait en tant que jeune de système noir? Qui fait que vous décidez de rentrer dans le domaine ça pour porter service? Bon, je suis capable de dire que c'est un échec collectif, si je suis capable de dire ça comme ça, et pour ne pas avoir tentation d'accuser les gens, okay? Mais pour ne pas avoir tête par nous tout là-dedans, qui ça nous porte, qui ça nous porte à système. Dans l'expérience, surtout avec le contact que nous avons fait, nous-mêmes dans l'Exostic avec les directeurs d'école, moi, je vois que c'est un système qui a une léthargie. C'est-à-dire que les responsables. L'ancien système yo pas prêt pour décoller la donne facile et surtout au niveau de santé capable de organisation par exemple et on dit que nous-mêmes nous sommes une firme de consultation dans technologie information communication et nous sommes une firme qui t'a supposé un sous-contractant pour l'école là surtout dans le domaine technologie mais on a remarqué que l'école yo malgré que responsable yo même staff qui l'école là pas gagné des connaissances poussées dans le domaine là. Mais c'est comme si vous voulez, c'est vous pour faire. Donc, même formation dans le domaine technologie, vous voulez que c'est vous-même qui vous concentrez dans la main. Vous ne voulez pas que pour un autre monde venir et puis pousser dans la main l'autre monde. Et d'adi formation ça, strictement y. Pour qui ça? Parce que l'habitude là, dans les temps anciens, c'était tout le bagage concentré en bas direction de l'école. Là. Donc, c'est direction de l'école là qui contrôle les sports, c'est de contrôler la musique, c'est de contrôler bah, le théâtre, c'est de contrôler tout ça. Donc, c'est dans l'école là tout le système là. Pendant que. Directeur de l'école a concentré sur l'administration, sur la relation avec les parents, sur la relation avec les gens, et puis sur la formation académique et si capable de traditionnelle que vous avez là. Et puis de quitter l'autre système ça, à des gens qui connaissent pour le passer, leur sa qualité de service à plus bon. Et en général, toute entreprise moderne aujourd'hui, c'est ça que vous faites. Entreprise a concentré sur la vente, entreprise a concentré sur le client, relation client, et puis l'autre. Organisation qui fait des sous-contractants et puis exige des sous-contractants ça pour le résultat. Si sous-contractant fait des erreurs, sous-contractant quand même bien pour dédommager l'entreprise qui sont entreprises clientes. Et puis pour que la qualité de service soit capable d'arriver exactement directement sur le client. Si on déclare les clients aujourd'hui, c'est élève. Donc,
qualité service ça que vous avez demandé contractant pour le faire au niveau informatique parce que ou pas connaître domaine ça bien ou pas prendre formation là dans c'est dans l'école normale ou bien etc. Donc ou livrer avec un autre partenaire pour le faire pour assurer de qualité et pour contractant ça lui-même les bons résultats bon rapport sur activité que l'a fait et puis là ça vous être assurer que vous gagnez une qualité d'un service qui exemplaire et qui capable et constate dans tout côté dans le monde mais l'école est très très léthargique dans le domaine ça donc est-ce c'est ça est-ce que c'est pas c'est pour une question d'ignorance parce que pour capable déléguer mais faut connaître qui importance soit gain en face ou qui ça va permettre ou faire qui ça qui innovation qui vient devant là est-ce que faut qu'on pas c'est parce qu'on pas connaît qui fait qu'on décider résister avec ou peut-être concentrer toute bagarre mais est-ce que c'est pas une ignorance qui fait ça les capable ignorance même pense que c'est plus la peur. C'est-à-dire la peur pour que bah yo sorti dans maison. OK, yon peur qui compréhensible parce que ou pas habitué avec ça. Donc c'est dans tout système et c'est dans à travers l'histoire même on voit que moun ki t'a dirigé, moun ki était dans statu quo, moun ki était tant d'arab dit ça et on sort de qui t'a bénéficié de exactement juste statu quo. Il est très résistant au changement parce que jodi a li wè ki jan sa yé pour li, li wè comment la marcher mais par contre demain si bah yo changer rapidement ki jan sa pied. Donc je pense que c'est surtout la peur. Non, donc maintenant, ce n'est pas vraiment de capable de dire ignorance parce que bon, monde est formé de toute façon et c'est, ça arrive dans toute l'école. Je ne vais pas dire que c'est une catégorie de l'école, ça arrive dans toute l'école que vous avez actuellement. Bon, pour ça que nous visitons. Alors, nous allons parler peut-être de différents services que FIM est capable d'offrir à direction de l'école. Mais quand même, on a parlé de changement dans le système éducatif haïtien hein, par rapport aux nouvelles technologies. Nous parler de qui ça? Effectivement, en termes de changement par rapport aux pratiques anciennes, nous voulons dire qui ça? Bon, là, nous parlons de changement surtout nous-mêmes, au côté par nous, Exhaustique, qui sont films de consultation en technologie, information, communication. Nous surtout voulons accompagnement qui gagne avec outils technologiques en particulier. D'accord? Jodi, par exemple, si un professeur a fait un cours de géographie, OK, il n'est pas arrivé dans la salle là, côté avec simplement les discours, et puis qu'on est abdi Simonan, la parler de la rivière grise, la parler de par contre l'autre ça nous gagne comme l'autre département etc. et puis vous la faites Simonan réciter par exemple. OK, jodi a Simonan capable participer dans ça, faire des recherches avec des outils technologiques, qui était capable même dans classe là. OK, faire des recherches à partir des outils technologiques, internet etc. et puis vienne parler de un sujet dans une zone, vienne parler de qui sa zone ça produit, qui ça fait dans zone ça, comment population organise dans zone ça etc. Ou Timounan lui-même, lui former tête lui participer et puis on l'autre groupe de Timounan capable porter l'autre et information à partir de données ça et puis le tout et données ça yo contribue ensemble et puis Timounan même lui qui t'a connait il pas besoin qu'on apprendre parce que c'est lui qui t'a porté d'accord et puis qui outil encore réaliser des visites par exemple et puis le Timounan réaliser des visites à venir faire des rapports à partir de outils technologiques par exemple aller avec bon, je veux dire tout Timounan un téléphone aller faire photo faire caméra vidéo etc. Donc nous sommes capables de mettre participation et innover dans l'éducation, dans la formation que nous avons là pour que, effectivement, je l'ai dit depuis le début, là, pour nous faire que nous sommes capables de nous faire compétitifs, surtout à travers l'éducation et la formation que nous avons à la jeune génération. OK. Alors, ingénieur Boudot, si nous demandons quels différents services, effectivement, FIM Exhaustic offre et sont disponibles par rapport à directeur de l'école, par rapport à monde qui gère l'école de façon générale et enseignants en particulier, qui sont à dire pour le capitain de là, cap garder et qui besoin qu'on ait, qui ça nous offre. D'accord. Eh bien, nous avons un éventail, nous avons un service qui est disponible dans Exhaustic que nous portons pour l'école et pour élèves en particulier. Donc, directeur de l'école là, cap et relais nous pour nous expliquer. Et puis, mais surtout, clients qui va le bénéficier là, c'est surtout élèves que nous voulons bailler en formation de qualité. Premier et service ça que nous avons dit, c'est un service fort, nous, c'est avec d'abord de commencer, c'est un laboratoire d'informatique mobile. Et laboratoire ça a servi avec énergie solaire. Donc là, comme on a dit, quand on a commencé, c'est surtout le tremblement de terre 2010 qui a fait nous penser avec un produit comme ça. Donc nous sommes venus avec un équipement mobile pour qui ça? Parce que l'école en particulier qui était détruite, il n'y a pas de grand espace pour faire un laboratoire. Et ça t'a pas coûté en pile la direction de l'école là pour non seulement pour ériger l'espace l'école là qui est écrasé, après ça pour aller ériger un laboratoire, les films pour l'acheter l'équipement. Donc nous disons que, on a venu avec des équipements mobiles, nous venons dans l'école avec équipement. Nous faisons cours informatique là, si l'école l'a voulu. Et puis, cours informatique là fini, après ça, nous reprenons le matériel, nous allons avec eux, nous allons stocker eux dans l'espace PAN. Donc, c'est un service qui va permettre que le directeur ait économisé dans, j'en ai dit, dans l'érection de matériel, l'érection de l'espace.
Il a besoin d'acheter matériel qu'on a parce que c'est un équipement mobile, il n'a pas besoin de stocker matériel là, il n'a pas besoin lui-même responsable de faire maintenance, il n'a pas besoin lui-même responsable de sécurité matériel là. Donc nous enlever tout ça pour être capable de faciliter pour prendre service ça. Nous gagnons tout un service que nous relayons classe numérique. Classe numérique là, au lieu que tout le monde dans la boîte informatique, mais la boîte informatique là, tout dans la salle de classe. Là, et la salle de classe, on a transformé en espace numérique, côté que tout cours que tout le monde a fait, capable de faire son support numérique. Okay. Nous même tout nous baissons service pour numériser cours. C'est-à-dire, cours que tout le monde a vu dans un livre ou bien qu'on a vu dans un cahier, nous numériser cours là, son format de logiciel, que nous avons cours géographie, mathématiques, physique, chimie, etc. Et puis tout le monde a un cours devant, soit en tablette ou bien en ordinateur, la suivre cours là, il est capable de tout travailler. À partir de quoi, dépendamment de gens monter le logiciel là, on devoit le café sous quoi dans la salle de classe là. Et puis, le professeur a lui-même, il y a un serveur côté que, sous laptop professeur, bien sous ordinateur qui est devant là, il contrôle le travail élève là. Oui, mais élève là, ça faut qu'enseignant il travaille de concert ensemble avec nous. Effectivement. Et il faut que lui-même lui est prégné de technologie ça pour prendre formation et être capable de cours que tu connais parce que. Quand même, nous connaissons la réalité. Yo. Effectivement. Mais nous avons fait géographie, mais nous avons même connaissons la CAE, pendant la palette de géographie. Effectivement, donc c'est ça qu'on a dit là. Il faut que l'éducation soit changée, le format éducation soit changée. Et nous-mêmes, différence nous, par rapport à notre concurrent, c'est que nous-mêmes, nous intégrons l'école là dans le processus, là, dans le développement logiciel. Parce que particulièrement, notre concurrent, qui ça a fait, il y a des cours que vous développez, vous-même, et que vous portez à l'école. Ouais. Ça veut dire qu'un enseignant qui est là, capable, quel que soit le type de cours que vous faites, capable de connaître que. Désormais, qu'a transformé Koula pour le rendre non seulement sous technologie ça, mais pour le rendre disponible à l'élève qui est capable même de façon autonome d'assurer effectivement. Il est capable de mettre son format numérique, cursus de gain, dynamiser, le mettre li opérationnel pour que li capable, si mon capable de travailler à partir de logiciel ça que lui-même est capable de développer avec nous pour le faire comme ça. Okay. Donc la classe numérique là extrêmement extrêmement intéressant. Et... D'ailleurs, c'est un concept qui a développé dans le monde. Jodia, pays qui voulait développer, c'est façon ça que développer classe. Donc classe pas faite, même gens encore. Jodia, j'ai été fait dans le temps. Mm-hmm. Okay? Donc et classe ça tout équipé d'un tableau blanc interactif côté que tableau lui-même il y a un projecteur qui sous lit tableau en tout cas tactile etc qui fait recherche à partir du tableau qui a connecté à internet. Oui, parce que nous parlé de Haïti futur une émission qui un projet qui a en pile l'école nationale comme l'école privée tableau numérique interactif ça que on va parler là et qui capable aider. Est-ce que nous même nous gain contact avec Haïti futur dans sens ça comme on connaissez vous j'ai vous dire en anglais, vous n'avez pas de type de tableau ça en Haïti. D'accord, nous avons un contact serré avec Haïti Future en fonction de deux mondes, parce que comme je vous dis, l'école est très léthargique par rapport à ce système. Donc définitivement, il faut gagner une base de l'école qui voulait prendre effectivement service là, et puis ensuite pour négocier avec un provider pour qu'on ait exactement qui contact, qui contrat que nous avons fait. Okay. Mais fait là avant et puis après ça chercher l'école, il y a un petit gens pas si nous capable dire dans business side là ils ont déjà pas correct si nous capable dire comme ça mais c'est l'école nous contacter l'école effectivement yo veulent prendre service ça le savoir je n'ai pas partenaire ou dire exactement mais qui sont gagnent en base ou comme client qui veulent prendre service ça puis là ça la plus facile pour négocier avec et pour voir de ça. OK. Alors on parlait de laboratoire là ou parler de classe numérique là et qui service encore. Nous baillons tout des consultations à distance pour l'école qui gagne laboratoire informatique déjà. On l'école qui gagne laboratoire informatique mais par exemple qui voit que matériel mal géré par exemple parce que l'école là a investi là dans un laboratoire et puis après ça un an passé matériel est en désuet, il est pas capable de servir avec encore donc investissement ça a perdu. Nous capable l'école là des consultations au niveau de laboratoire informatique comment pour le maintenir ordinateur qui matériel pour l'acheter effectivement parce que c'est pas tout matériel, c'est pas tout ordinateur qui fait pour l'école nécessairement. OK, il y a des ordinateurs qui fait pour l'école pour si c'est pour un monde qui est dans entreprise scolaire, il y a deux ordinateurs qui c'est pour l'autre type d'entreprise. OK, mais l'école a acheté un matériel qui pas nécessairement répondre avec service que la balle et puis matériel ça li vinn désuet à partir d'un temps qui pas nécessairement long qui pas permettre que retour sur investissement en fait. Donc nous mêmes nous bay consultation pour nous l'école là mais qui côté pour l'acheter équipement mais qui équipement pour acheter pour nous dire ça puis correct mais qui équipement pour acheter qui répond avec besoin qu'on gagne nécessairement. Oui parce que nous pas forcément connait dans domaine effectivement là, parce que, directeur l'école là c'est quand même son normalien qui sont gestionnaires dans niveau pali mais qui pas forcément connaît qui gens question technique ça régler et dans ce sens ça nous capable conseiller et encourager pour connaître qui type de peut pas faire en pile déficit effectivement donc permettre économiser pour capable bailler service dans l'autre bagaille qui puis important c'est capable dire dans administration scolaire. Okay. Logiciel tout c'est-à-dire quel type de logiciel pour acheter parce que je veux dire on pas obligé bailler des logiciels qui courent.
Les dit qui courant, c'est-à-dire, par exemple, le logiciel que nous avons plus utilisé sur le marché des entreprises. Nous avons bâti mon information sur un logiciel qui permet de gagner connaissance en arrière-plan sur l'autre logiciel que nous avons besoin. N'importe quel logiciel que nous avons besoin dans l'entreprise. On dit que le logiciel qui est non propriétaire ou capable de faire. On dit que non propriétaire sont un logiciel qui va fait par un fabricant et puis qui va vendre nécessairement. Donc, c'est plusieurs monde qui travaillent sur le logiciel ça, qui développent et puis eux-mêmes ne vont pas vendre. Donc, si vous avez le logiciel ça, vous êtes obligé chaque année ou chaque mois de payer une licence pour lui. Ça qui permet de faire économie. Mais si vous avez tout, vous avez une formation qui est plus adaptée, parce que puisque le contrôle des logiciels qui sont propriétaires, elle ne peut pas contrôler tout l'autre logiciel qui est propriétaire. Parce que généralement, le logiciel qui est propriétaire est un moins complexe, parce que vous avez besoin de vous acheter pour servir avec plus. Et puis, c'est à travers le logiciel ça, tout plus vie qui se passe. Parce que le fait que les gens qui font vivre ça, ils connaissent que plus on a utilisé tel type de logiciel, donc c'est à travers le logiciel ça qu'ils font vivre ce passé. Donc, moins ou servir avec ce type de logiciel ça, moins équipement est capable de subir des effets de virus. Okay. Donc, c'est tout conseil que nous avons apporté pour l'école, yo, au niveau de l'école qui est un laboratoire, mais qui est un système informatique, pour nous capable de faire que nous dépensions moins dans le système informatique. Yo. Nous avons tout un service que nous relais. Gestion d'administration scolaire, logiciel pour gestion d'administration scolaire. C'est une façon pour l'école à numériser tout le système pour permettre que tout le bagage soit standardisé. On a monde qui a besoin d'informations sous tête pour l'école, qui a été l'école pendant plusieurs années, mais leur tourne besoin d'informations pour l'albaï dans l'université à l'étranger. Vous levez notes, ils jouent ça rapidement. Et puis, ils jouent dans un format qui est standard. Côté que l'école n'a pas vraiment d'elle pour faire des corrections, pour faire des corrections, ça nous relève cartographie ou bien design. Parce que là, ça l'a standardisé, l'a carré pour toute société. L'école, là, tu as bien information directe. Si vous demandez pour le logiciel, ça, il est connecté sur Internet, n'importe qui côté directeur dans le monde, il a besoin d'informations, là, il est directement sur le logiciel de l'école, là, et puis il extrait information. Pour le connaître, dans qui est ta finance liée, dans qui est ta, qui ça, un professeur fait gérer la classe, là, par exemple, connaît qui gens. Qualité, éducation, et comment les élèves travaillent exactement les cartes d'information. Ça, c'est pour le logiciel, logiciel d'administration scolaire. Nous offrons un cours tout de réseau informatique, un cours initiation à réseau informatique. Dans le cours, ça, généralement, pour, dans la classe terminale, après le cours, ça, parce que c'est un cours standard et que les comptes A et plus, c'est un cours qui est fait par plusieurs entreprises qui mettent ensemble pour faire ça, que, ou qui rejoignent sur Internet, mais nous faisons pour nous permettre que Timon, après, les connaît une idée sur réseau monter câblage dépanner ordinateur comprendre tout élément qui est dans ordinateur et puis après pour ça tu as Sylvie qui a une certification internationale et que le cas travaille n'importe qui côté dans le domaine réseau informatique. Donc c'est un ensemble d'éléments que nous capable pour nous citer l'autre et tout ça on l'école capable concevoir lui même que il besoin dans le domaine technologie information communication il capable contacter nous depuis que le cas pense nous même nous cas exécuter. Alors ingénieur Boudou alors, service vraiment extrêmement important dans ce sens-là. Mais si nous demandons pour les gens qui suivent, nous demandons des films exhaustifs, qui s'est réalisé déjà souterrain pour nous capables de toute expertise nécessaire pour nous capables d'agir pour la direction de l'école, ou tu as dit qui ça? Et bon, film exhaustif en lui-même existe depuis environ 4 ans. Et nous créé en 2013 les statuts, etc., les partenaires qui réunis. Mais nous commençons effectivement avec opérationnalisation 2 ans de cela. Mais pour être capable d'arriver à la phase opérationnelle, nous avons des démarches que nous avons obligé de faire, par exemple, pour faire connaître nous en particulier. Et nous avons participé dans des concours, en particulier des concours de plan d'affaires. Par exemple, le premier concours que nous avons participé, c'était un concours qui était réalisé par le groupe Croissance, CDLIT et Synergie. C'était dans le Salon des entrepreneurs qui était fait en janvier 2014. Et que nous avons participé dans un Elevator Pitch Contest. C'est ça que nous avons un plan d'affaires maintenant. On te temps éclair pour présenter. Donc, c'était moi, afin de 3 minutes pour te présenter un plan d'affaires, etc., devant un public et devant un jury qui était constitué de monde qui était européen. Et nous étions vice-champion dans le concours. Nous avons participé tout dans Elan Haïti 2014. Donc, là, ça, c'était un concours de plan d'affaires qui était encore réalisé par le groupe ECO. Nous avons gagné tout CDL Haïti qui était là dans l'activité ça. Et nous étions vice-champion encore dans l'événement ça, concours de plan d'affaires là. Nous réalisé en janvier 2016, qui se passait là, un salon de la formation technique et professionnelle. Côté que nous voulons bailler, si mon école en particulier, ouais espace et l'école professionnelle, pour montrer que les métiers traditionnels, ce n'est pas eux-mêmes nécessairement qui porteurs, je vous dis, ok, ou capable d'apprendre d'autres métiers qui parlent des métiers traditionnels, des nouveaux métiers, ça veut dire qui créent par technologie information communication, et puis il faut des moyens pour vivre et vivre bien. Et puis, on capable tout profiter de connaissances de formation pour rejoindre un emploi qui permet tout
continuer faire études et puis décrocher sauvelé et dans espace universitaire là. Donc nous avons réalisé au collège Saint-Pierre et nous avons plusieurs monde qui ont participé avec notre chef d'entreprise et parmi lesquels Christian Farrel, Roc André, Michel Chatin, etc. qui ont fait des conférences et des ateliers pratiques pour montrer ces monde surtout qui ça fait dans milieu entreprise et qui ça eux même en tant que chef d'entreprise ont besoin en termes de main d'œuvre. De métiers que ont besoin d'entreprise. Jean-Paul Coutard qui a participé tout dans ce sens. Nous avons plusieurs écoles professionnelles, INTEC et Jacmel, Institut Jacmel qui a participé, qui a fait des démonstrations à Timon, qui a l'école qui a participé. Donc, entre autres, ça nous participé et nous avons des écoles tout, que nous avons des supports, surtout au niveau du laboratoire informatique. Des écoles qui sont dans une zone sous-développée, par exemple les Moissonneurs de la Saline et Joël Norelu Sakafou. Donc, entre autres, c'est ça que nous réalisons déjà pendant un petit temps. Alors, ingénieur Boudou, dernière question, c'est justement par rapport à mon qui a suivi, surtout. Chef d'établissement scolaire, tu as besoin qu'on ait qui j'en peux faire pour contacter ou sur cap bon numéro de téléphone ou adresse électronique, dis-nous qui j'en peux contacter exhaustif. D'accord, eh bien, moi déjà remercie pour l'opportunité que tu as et ma directeur de l'école que exhaustif est disponible à travers moyen ça. Premièrement, nous avons contacté nous sur 37 32 24 24. Numéro de téléphone c'est 37 32 24 24. Et ça, c'est le numéro de téléphone exhaustif, ou car il y a n'importe qui là. Son film technologique donne au travail 7 sur 7, 24 sur 24. Quel que soit leur besoin de contacter nous. On peut contacter nous à travers email adresse nous, qui c'est info@exhaustif.com. Info, c'est INFO, @ à commercial, bien on dit encore, et puis exhaustif. Exhaustif, c'est E-X-H-A-U-S-T-I-C. E-X-H-A-U-S-T-I-C, et puis .com. Vous pouvez contacter nous tous à travers l'adresse, mais passez vous dans 58 Avenue La Martinière. Ça veut dire généralement Bois Vernard, 58 Avenue La Martinière, c'est là où vous pouvez passer nous ou bien écrire nous, s'ouvrir et puis contacter nous. Donc c'est tout le moyen ça, que vous pouvez contacter nous et nous disponibles pour nous capables aider, je nous ai dit, système éducatif capable plus compétitif. Ok, alors je vous remercie un peu l'ingénieur Boudou, c'était un plaisir pour vous recevoir dans l'émission ça. Puisque comme vous dites, c'est un effort en plus et c'est une contribution par rapport à changement que le système éducatif a mérité et surtout pour gestion de l'école capable de faire plus bien avec une perspective de nouvelles technologies et yo disponible yo là dans le pays et c'est seulement pour nous servir avec vous. Dans ce sens Action Éducation Abdou, merci et bon succès à FIMSA Exhaustif qui a fait consultation dans le domaine éducation spécialement. Et bon succès dans le travail. Ça. Merci Oscar et merci à téléspectateurs et téléspectatrices qui t'ont suivi nous. Merci à directeur d'école, merci à Ilevio, merci qui t'es là tout qui t'ont suivi nous. Et succès à tout à Action Éducation. Merci un peu. Merci beaucoup. Ministère Éducation Nationale et Formation Professionnelle invite tout professeur l'école pour réserver un temps en classe chaque jour pour parler avec Ilevio sur maladie choléra. Professeur capable expliquer Ilevio qui ça qui la cause maladie choléra, qui signe qui montre yon moun capable faire maladie choléra, qui règle hygiène yon doit appliquer pour maladie à pas rentrer sous yon. Professeur a doit encourager Ilevio tout parler avec parents yon sur tout ça yon apprendre sur maladie à pour choléra pas jeune porte l'ouvrir pour rentrer sous personne, ni sous élève, ni sous parent. C'est un message ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui joint appui UNICEF. Voilà, c'était avec nous ingénieur Fred Samuel Boudou, président directeur général FIM Exhaustif, qui est spécialisé dans le service établissement scolaire et qui a développé un pile laboratoire mobile, classe numérique pour établissement. Jodia, nous avons eu plaisir pour nous faire connaissance avec FIM ça. Et nous espérons qu'il y ait un pile d'informations pour permettre à l'école de développer de nouveaux outils, ça NTIC. C'était avec un pile plaisir pour nous présenter l'émission. Nous espérons qu'il y ait un pile d'informations pour vous. Rendez-vous pour une autre émission, Action, Éducation, même genre, sous même chaîne et dans même l'heure. C'est pour la semaine prochaine. Merci pour patience. C'était avec vous, serviteur. Oscar Joseph. Bonsoir.